Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena faire Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va très très bien. Aujourd'hui, les deck budget, tant attendu. Euh, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir à mettre un petit pouce bleu en commentaire. Euh, et vous trouverez sur cette chaîne plein de tutos sur euh, Magic Arena, même s'ils sont un peu vieillissants, comme vous pourrez le voir à ma coupe de cheveux euh, quand je n'en avais plus. Euh, ils sont toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à checker ça. Et sinon, on fait euh, du gameplay, du classico bingo euh, de, sur Magic Arena en standard principalement. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez ce qu'on fait ici, de la rigolade, on joue aux cartes, on fait des misplays et on en rigole. Et aujourd'hui, c'est la vidéo des decks budget de l'expansion de ce monde. Trois decks budget aujourd'hui, un gros budget... U-White Tempo Budget, U-White Aura Budget. Si vous voulez découvrir la version non budget de ces decks, on l'a déjà présenté au moment où sort cette vidéo le mono rouge. Et euh, si vous la regardez de suite, les deux decks, ce seront les prochains decks que l'on va jouer. Donc vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines vidéos justement et voir ces decks non budget en action. Parce que dans cette vidéo, il n'y aura pas de gameplay. On présente simplement les decklists. Comme ça, on va à l'essentiel. En parlant de l'essentiel, merci beaucoup au sponsor plain by Magic bazar qui apparaît juste maintenant. Incroyable. Code Valley PL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité Supplémentaire, ça nous soutient quand vous utilisez merci à tous merci aussi ultimate Guard. lien d'affilée dans la description vous cliquez vous êtes sur le site vous faites vos achats ça nous soutient ça régale et ça les régale et ça vous régale superbe et vous, vous rappelez quand j'ai dit pouce bleus commentaires et abonnements qui était tout à fait gratuit et qui nous soutenait et bien ça vous soutient aussi parce que ça donne quoi val oui, parce que ça vous permet d'avoir un petit booster offert directement par Labelle Carte, notre boutique en ligne que vous pouvez retrouver directement dans la description pour faire vos achats TCG. Vous allez pouvoir remporter ce booster en participant dans l'espace commentaire. On va tirer au sort un commentaire et vous recevrez le booster d'Uskmourne chez vous dans quelques jours. Merci à tous ceux qui participent. Et j'en profite pour vous dire qu'on a un show exceptionnel de cartes à l'unité. Magic dimanche à partir de 18h. Il y aura des cartes d'exception, il y aura des prix de départ à 1 euro, il y aura des cartes de commandeur, de duel commandeur, de moderne, des staples, des cartes foil, des skins alternatives vraiment pour tous les budgets. Euh, vraiment un show exceptionnel avec beaucoup, beaucoup de matos. Ça commencera dimanche à partir de 18h. Et si vous n'avez pas encore de compte Vox, parce que ça se passera sur Vox, l'application d'enchère en ligne, ce n'est pas la nôtre. Hein. On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Pas euh, et si vous n'avez pas de... Ouais, C'est à fanatique maintenant, euh, d'ailleurs, qui est un, mmh. un géant américain. Bref. Et donc, si jamais vous n'avez pas encore de compte euh, Voct, eh bien vous pouvez en créer un et vous avez 10 euros offerts avec le code Labelcard. Vous avez évidemment toutes les infos en description. vous attend nombreux pour ce show d'exception, dimanche à partir de 18h. Quelle grâce À gros budget, commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça fait Si vous n'avez pas vu la vidéo, euh, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est délicieux. Euh, c'est un deck qui peut tuer tour 2. Donc déjà, quand on sait ça, on se dit OK. Oui. Euh, Est-ce que c'est la norme Non, ce n'est pas la norme. C'est un Mais deck il ne tue pas à tour 2. Très agressif, mais il faut un setup particulier pour tuer tour 2 et il faut que l'adversaire se soit endormi sur son clavier un peu. Parce que s'il a une interaction, s'il a de quoi bloquer ou quoi, c'est pas la même. C'est pas la même, on va pas réussir à, à tuer. Par contre, il tue assez régulièrement tour 3-4. C'est quand même un deck très très vénère. Je vais vous parler euh, du deck au global et ensuite je vous parlerai précisément de la combo entre guillemets pour tuer tour 2 euh, c'est un deck mono rouge agressif quand même il y a une carte noire en fait on se sert de son aventure rouge donc pas besoin de caster de, de carte noire euh, on va jouer des petites bêtes en fait qui vont profiter euh, des effets de, de nos sorts pour euh, gagner euh, plus de puissance donc la vive euh, le prétentieux tir charme la défieuse qui ont la prouesse le, le héros pire au coeur qui a vaillant donc quand on le cible il gagne plus 1 plus un. et du coup on joue ces petites bêtes là qu'on va buffer avec des trucs comme éversé plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt, ce tour-ci manifeste l'effroi. Elle ne va pas mourir, vous inquiétez pas, c'est l'adversaire qui va mourir. Euh, rage monstrueuse qui donne plus de plus 0, etc. En fait, vous jouez aggro avec des espèces de petits tricks de combat pour euh, faire passer les points à votre adversaire. Ça demande un petit... Euh un petit temps d'adaptation pour maîtriser ce deck parce qu'il ne faut pas mettre tous ses deux dans le même panier, il faut savoir quand jouer ses sorts, etc. Mais si vous regardez la vidéo qu'on a faite, vous allez voir comment on le joue, euh, ça devient assez naturel rapidement. Vous avez aussi des petits chocs hein, pour tuer les, Alors, les créatures adverses ou l'adversaire. Attention, dans la vidéo, on fait quand même en sorte de montrer la combo et donc on a tendance à surmouligan et à pas jouer le deck de la meilleure des manières. C'est vrai. Mais dans les games où on ne peut pas faire la combo, on montre à peu près euh, comment on fait. Ouais, ouais. On n'est pas expert non plus du deck, mais euh, vous aurez une, une bonne idée. Quoi. On peut faire un petit peu de value aussi avec des cartes comme la défieuse Bresker, parce que quand elle est ciblée, euh, vous avez exilé la carte du dessus de la bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci en payant son coup de mana, évidemment. Euh, et vous pouvez aussi jouer les terrains, euh, si jamais vous en exilez avec la défieuse, donc ça peut être sympa. Et euh, elle, euh, elle a la prouesse, donc même si vous ne la ciblez pas, elle va gagner plus un, plus un quand vous lancez les sorts d'une créatures. Euh, donc si vous la ciblez, vous allez peut-être faire de la value. Si vous ne la ciblez pas, elle va quand même être buffée. Et prétentieux Dire Charme, c'est un peu votre kill. Euh, par excellence, si vous n'avez pas la combo, parce qu'en fait il va gagner plus 2, plus 0 à chaque fois que vous lancez un sort. Et comme vous allez le comploter, donc vous l'exilez pour pouvoir le lancer le tour d'après euh, sans payer son coup de mana. En fait, vous avez déjà payé son coup de mana. Pour 0, vous faites une 1-2 vol célérité et vous lancez euh, et versez dessus plus un choc dans la tête de l'adversaire. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Vous avez lancé euh, deux cartes dans le tour, plus le prétentieux que vous aviez lancé au tour précédent. Il a pris 10, il avait 20 points de vie, il est déjà mid-life. Et vous, ça ne vous a pas coûté grand chose. Donc c'est un deck qui va vraiment tout dans la tête. Et depuis tout à l'heure, vous dites, oui, mais tu parles pas trop de ça, là. Oui. Ça, c'est justement la carte qui permet de combo. L'inlay de résonance. Ça fait partie du cycle des inlays. Ce sont des cartes en fait qui, quand elles sont dans votre main de départ, vous pouvez avant de commencer la partie les révéler et les mettre en jeu gratuitement sans payer leur coût. Et si euh, vous la piochez après, bah, vous êtes deg, euh, vous devez payer leur coût et c'est beaucoup moins bien. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible qu'une créature unique que vous contrôlez, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Et comme on, sort, comme on lance pardon, des sorts comme Eversé, euh, puissance des, euh, des humbles et rage monstrueuse qui ciblent nos créatures, on va les copier avec l'iné de résonance, ce qui fait que... Euh, on va mettre euh, plus 3 plus 0 deux fois. Donc plus 6 plus 0. Et là ça commence à, à tabasser la coquille. Donc vous allez dire ok, donc euh, ce que tu me disais avec le prétentieux tire-charme, avec ça, c'est pas mal, du coup c'est copié, est, il est encore plus gros le prétentieux, et il tue, ou alors vous êtes bête et tout c'est bien. Oui, mais pas que. Parce qu'en fait les vrais MVP du deck, c'est héros Pyrocœur et Galopin cacophonique. Puisqu'ils ont un effet euh, tous les deux, c'est que quand ils meurent, ils vont infliger euh, leur force à euh, chaque adversaire. Galopin, c'est à n'importe quelle cible et Héro Pierre c'est chaque adversaire. Mais dans notre deck, on va le mettre que dans la tête de l'adversaire. La première capacité du Galopin, vous ne l'utilisez jamais. Euh, on s'en fout. Euh, vous n'avez pas besoin de proliférer. C'est juste pour avoir un, une utilité. À le sacrifier tout seul. Voilà. C juste, je vous le dis comme ça. Vous allez buffer du coup euh, vos créatures avec Linley en faisant double verser, double rage monstrueuse sur Héro Pierre Rocker ou Galopin, et ensuite. Avec épée allouée inhumaine, pour un malin rouge, vous allez sacrifier euh, une créature et elle va infliger autant que sa force à n'importe quelle cible. Et comme le galopin et le héros piroqueur, ils font déjà ça, ils vont le faire deux fois. Donc si vous faites héros piroqueur tour 1 avec l'inlay tour 1 que vous avez joué gratuitement, tour 2, vous faites éverser copier sur le héros piroqueur. Donc vous le ciblez, il prend un marqueur, c'est une 2-2. Il prend 2 fois plus 3 plus 0, c'est une euh, 8-2, qui met du coup 8 points. Puis vous sacrifiez avec l'épée à donc il vous reste un mana, et vous allez infliger 8 grâce à l'épée à enfin vous brûler ensemble, plus l'effet de cœur, 8 vous avez mis 24 dégâts autour d'eux. L'adversaire, même s'il a gagné un petit point de vie, il est mort, il est plat. Mais ça, c'est le scénario de rêve que vous allez faire rarement. Autour, vous allez jouer des games, comme je vous disais, ou juste vous, vous jouez aux petites bêtes, vous les buffez, vous descendez l'adversaire bas en PV, puis vous le finissez. quoi. Mais voilà, la combo existe et des fois, tous les mardis, si c'est la Saint-Jean. Vous pouvez euh, assembler la combo et one-shot l'adversaire. Ouais, il faut, il faut pas tomber dans l'erreur d'essayer d'assembler la combo. Euh, typiquement, ce qu'on fait dans la vidéo, c'est-à-dire Mulligan ardemment pour trouver notre Linley pour pouvoir la jouer euh, dès, dès le début de la partie. Dans le deck, il fonctionne très bien sans. Il se trouve que parfois, vous avez la Linley et dans ce cas-là, le deck devient beaucoup plus punchy. Mais si jamais vous avez une main fonctionnelle avec à la fois des créatures et des boosts, vous pouvez largement garder ces mains et gagner la partie. On est en fait avec ce deck-là. Les gens pensent qu'on est obligé de gagner tour 3 ou tour 4. Le deck le fait régulièrement, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est un deck qui est assez résilient, qui est capable de tourner autour des interactions de l'adversaire, de recréer du board facilement et d'aller rentrer des dégâts de manière très consistante, de manière régulière. Donc voilà, n'hésitez pas juste à garder des mains fonctionnelles. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez l'impression que votre adversaire vous attend avec des interactions, à ne pas mettre tous vos œufs dans, vos, dans, dans le même panier et à tuer tour 5, 6, 7, 8, le deck le fait très bien aussi. C'est pour ça que oui. c'est un bon deck. Exactement. Euh, c'est un deck qu'on appelle de masse critique, c'est-à-dire qu'il a besoin de pas mal de cartes pour tuer. Euh, mais quand je dis ça, c'est pas par rapport à la combo, c'est juste pour tuer, il faut bah, des créatures. Si vous n'avez pas de créatures, c'est mulligan. Quand même, vous avez toutes les pièces de la combo, vous dites Ah, si je ouais. top deck une créature, je peux tuer Non. Non, parce que si vous n'avez pas de créatures, votre deck ne fait rien, vous avez perdu la game. Donc euh, gardez. Euh, 20 créatures, vous n'aurez pas trop de problèmes. Normalement, ça va, mais genre si tu l'as pas en main de départ, c'est mulligan. C'est ça ouais ouais. mon point, c'est euh, ne gardez pas de main sans créatures. Quand même ouais. vous n'avez pas de spell et que des créatures, c'est pas trop grave parce que vous avez quand même beaucoup de spells euh, et vos créatures si vous en avez suffisamment, ça veut dire que vous êtes moins sensible à l'interaction. L'idéal c'est un mix des deux, donc euh, deux montagnes ou trois, pas plus, euh, deux créatures et deux sorts. Ça c'est super comme ça vous avez de quoi mettre la pression à votre adversaire et en plus qu'il y a des créatures comme justement le héros et le galopin qui vont faire des dégâts quand elles meurent donc si elles ont infligé un peu de points de dégâts en early game elles vont encore en infliger un petit peu plus quand elles vont mourir et ça peut ça peut faire échec et mettre à votre adversaire. Si vous avez deux les petit point de règle, vous allez copier deux fois. Donc c'est pas nul des mains avec plusieurs les. C'est juste que si vous avez quatre Linley et pas de sort ben Bon, bah, le premier spell que vous allez lancer, vous a il va être vénère. Hein. Mais tant que vous pas de sort, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est ouais. pas mauvais les, les doublons de l'inlay. Ne molliganez pas dans vos l'inlay. Molliganez dans créatures et sort. Et des fois, vous avez de l'inlay, c'est cool. Quand vous l'avez pas, tant pis. Voilà, voilou. Euh, on présente des déclistes en BO1. Je ne sais pas si on l'a précisé. Si vous voulez les versions BO3, c'est oh, dans ouais. les vidéos construites. Parce que quand vous commencez. Enfin, si vous faites un deck budget, c'est que généralement, vous commencez le jeu et que vous n'avez pas trop de moyens dans le jeu. Donc créer 15 cartes de side, bah beaucoup, ça demande beaucoup plus de ressources que de simplement euh, créer un deck de 60 cartes. Ouais. Et d'ailleurs, je vous recommande Là... plutôt de faire deux decks de 60 plutôt qu'un deck de 75. Comme ça, vous pouvez voir différents gameplays et savoir ce que vous préférez. Excuse-moi, voilà, je suis coupé. Le, le premier deck budget, c'est un deck qui s'adresse vraiment aux débutants, c'est-à-dire à ceux qui débutent Magic et pas forcément Magic Arena. Le troisième deck le, on, euh, dont on parlera après, c'est aussi un deck qui va euh, s'adresser aux débutants, donc ceux qui débutent Magic et pas forcément Magic Arena. Ici, ce deuxième deck dont on va parler, c'est plutôt un deck qui s'adresse à ceux qui débutent Magic Arena, mais qui savent déjà un peu jouer à Magic, parce que c'est un deck qui est beaucoup plus compliqué euh, à piloter. Alors, ta sortie de base classique est très simple à mettre en place, mais c'est un deck qui va demander un petit peu plus de niveau de jeu que le deck 1 et le deck 3, à mon sens. Et donc. Si jamais vous êtes prêt quand même à partir sur ce deck-là en étant débutant de Magic, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi des gens qui se mettent à Magic Arena, qui savent déjà jouer à Magic et qui n'ont pas juste assez d'économies dans le jeu pour crafter des decks moins budget. Et auquel cas, ce deck il est parfait pour vous, je pense. Exact. U-Wait tempo budget. Alors deux decks U-Wait, c'est pas qu'on adore ça, c'est juste qu'il se trouve que U-Wait a des très, très bonnes budget. Qu'est-ce qu'il fait exactement Zlegman euh, ouais, L'avantage des trois decks aussi, c'est une des premières fois dans euh, l'histoire des decks oui, budget. On ne vous présente pas forcément des, euh, des, des versions euh, budget que, euh, qui vous font crafter quand même que des bonnes cartes, mais qui vont à terme... Pas bah, soufflé, mais compétitivement, vous allez passer sur d'autres decks. Là, les trois decks budget qu'on vous propose, c'est trois versions des decks les plus compétitifs du méta, tout simplement. Et donc, il se trouve qu'il y a deux versions du white qui sont très puissantes, voire même trois versions qui sont très puissantes en compétitif et qui ont des manières d'être budgétisées très, très simples. Ici, par exemple, on a juste à cuter un petit peu dans la mana base. Donc, on perd un tout petit peu en stabilité. Mais au niveau du main deck, on a quasiment les mêmes cartes. Donc ici, on est sur euh, une, un deck qui essaye d'assembler euh, deux cartes bien précises qui sont donc du coup la main tendue qui vont nous permettre de euh, rejouer un, une créature qui coûte 3 ou moins de notre cimetière donc la faire revenir en jeu et euh, de euh, l'assembler avec notamment l'Oculus Abject, l'Oculus Abject qui est un 5-5 pour 3 qui en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort nous demande d'exiler des cartes depuis notre cimetière il a le vol et en plus au début de l'entretien il manifeste, au début de l'entretien de chaque adversaire pardon, il manifeste l'effroi c'est pas facile de le jouer très rapidement dans la partie parce qu'exiler six cartes du cimetière, c'est pas forcément donné autour 3. Par contre, le mettre au cimetière rapidement pour faire une main tendue dessus et le faire revenir, ça par contre, c'est beaucoup plus facile et ça vous permet d'avoir une très grosse menace très rapidement en début de partie. Pareil pour le Ginotin qui lui va bénéficier de toutes les cartes que vous allez mettre au cimetière avec vos autres sorts et que vous pouvez réanimer aussi avec main tendue si lui. Par inadvertance, serait parti au cimetière, même si lui, vous pouvez le jouer de, de votre main. Et tout le deck va fonctionner autour de ces deux cartes-là. L'idée, ça va être de les jouer le plus rapidement possible de leur faire avoir, alors le Ginotin aura des stats en fonction du nombre d'éphémères et de rituels que vous avez dans le cimetière, et l'Oculus Abject, lui, a des stats qui sont déjà délirantes. Et une fois que vous avez réussi à faire revenir ces créatures-là sur votre terrain, et eh ben derrière, vous avez juste des spells qu'on appelle de tempo, donc de la gestion, qui vont essayer de remettre, entre guillemets, les, les, euh, les interactions de votre adversaire à plus tard, ou alors les, les bloquants, les, les, les créatures sur le board, plus tard. On a la séparation de l'âme. Qui permet en éphémère d'exiler un permanent non-terrain ciblé. Et tant que cette carte reste exilée, son propriétaire peut la jouer, mais le sort coûtera deux de plus à lancer. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Mmh. On a dans la gueule de la marée qui va permettre de euh, boonser, c'est-à-dire de renvoyer une créature adverse dans sa main. Euh, pareil pour gagner du temps, pour pouvoir rentrer des points. En fait, vos bêtes sont tellement menaçantes, les bodies, les statistiques de vos menaces sont tellement puissantes qu'il suffit de gagner un ou deux tours pour tuer. L'adversaire instantanément. Euh, que ça soit Oculus ou Jean, sur le terrain, ça génère beaucoup, beaucoup de puissance. Mmh. Vous avez l'interférence fantomatique qui, euh, pareil, en termes de, de tempo, va très, très bien fonctionner, ne serait-ce que pour pouvoir créer en fin de tour de l'adversaire un petit 2 euh, 2 de deux, euh, de deux vol qui pourra aller peut-être mettre les points manquants, mais surtout pour contrecarrer un, un sort ciblé, un sort qui peut-être essaierait de euh, gérer vos menaces. Et puis à côté de ça, par contre, on a tout ce qu'on appelle le liant du deck. Tout ce qui va permettre de faire le lien entre la main tendue et vos menaces, c'est-à-dire les cartes qui vont, mettre, euh, qui vont remplir votre cimetière. Alors, passe-passe, ça ne remplit pas forcément le cimetière, mais ça va chercher la pièce ça A creuse. ou la pièce B. Ça creuse, ça creuse très très bien. Et puis pour le reste, on a Instant de vérité, euh, Plaisantin, Crocheteur de serrure, tracer un Cap, qui euh, eux sont euh, les euh, éphémères et les rituels qui vont remplir votre cimetière, à la fois pour jouer l'Oculus à la main. Mais aussi juste pour le mettre au cimetière et le réanimer avec main tendue. Pour avoir plus de redondance et être capable de faire cette synergie de manière plus régulière dans la partie, on a aussi remise en service qui lui est un exemplaire supplémentaire de main tendue qui coûte un peu plus cher mais qui est un petit peu moins bien. Donc voilà, vous avez vraiment trois parties distinctes dans ce deck là la partie combo, la partie tempo et le liant qui essaye donc de faire le lien entre vos pièces de vos pièces de synergie. C'est un deck qui est très fort qui en ce moment en, en, en compétitif, en standard, est vraiment très puissant, qui bénéficie bien d'avoir une réserve aussi en BO3, mais qui à mon avis est tout à fait fonctionnel en BO1. Yep, euh, quelques précisions. Si vous n'avez pas les archives méticuleuses euh, et que vous êtes un peu chiche en rare, vous pouvez les côtés mettre des basiques ou des landes rares que vous auriez en blanc-bleu. C'est quand même très bien parce que ça vous permet de surveiller le, la, le, la carte du dessus du deck et de la mettre dans le cimetière. Donc ça marche bien avec l'Oculus euh, ou même Jean. On peut le mettre au cimetière pour le réanimer potentiellement. C'est ça que j'ai choisi en priorité ces quatre terrains rares là par rapport aux autres terrains. Mais globalement, tous les terrains rares que vous avez blanc et bleu, vous pouvez les mettre. Exact. Euh, et euh, et qu'avec des basiques. Ça se fait, mais bon, comme le jean est de mal à bleu, c'est vrai que ça peut être un peu dommage. Ouais. Uh, tracer un cap, uh, ça sert à piocher deux, puis défausser, sauf si vous avez attaqué. Uh, c'est bien notamment quand vous avez des Oculus dans la main que vous ne pouvez pas casser, vous les défaussez avec, comme ça vous les réanimez avec main tendue ou remise en service. Ce qui, euh, ce qui peut être intéressant. Séparation de l'âme, vous pouvez cibler des permanents euh, que vous contrôlez. Donc typiquement l'adversaire vous fait euh, anti bet sur jean. Mais vous pouvez faire pour un mana blanc, parce que ça coûte un de moins avec euh, le jean. Un mana blanc, j'exile mon jean, et vous allez pouvoir le recaster. Alors il va coûter 5, mais parfois ça peut être euh, une bonne solution, parce que si jamais vous perdez juste votre jean, et vous gardez séparation de l'âme en main, euh, bah, vous ne faites plus rien. Alors que le sauver pour le recaster plus tard, ça peut avoir une utilité. C'est pas pour ça que ça sert, hein. c'est plutôt pour enlever euh, une menace pendant deux tours à l'adversaire, mais voilà, vous savez que vous pouvez le, le faire. Et euh, plaisantin crocheteur de serrure, n'oubliez pas que c'est une créature aussi. Donc euh, quand c'est euh, compliqué, euh, plutôt que de vous faire beatdown, n'hésitez pas à le caster juste en créature euh, pour justement euh, tempo des points. L'effet le, euh, éphémère, donc me les et reprendre l'éphémère rituel ou un peu plus fait, donc un plaisantin, c'est peut-être la meilleure carte du deck puisque ça met à la fois vos créatures au cimetière et ça vous trouve les mains tendues, les remises en service. Mais voilà, il y a des fois, euh, des fois c'est dur. Plutôt que de faire spécifiquement votre plan de jeu, il faut passer par des chemins de travers pour gagner un peu de temps. Voilà, euh, je pense qu'avec ça, vous avez tout. dernier deck, U White, Aura, Budget. Ça, je pense, c'est le plus simple à jouer de des decks d'aujourd'hui. Je sais pas ce que Complètement, c'est pour ça que je disais qu'il s'est adressé très très bien à, à, à des débutantes, à un plan de jeu qui est hyper simple, c'est-à-dire ouais. que tu poses des créatures qui vont diminuer le coût de tes enchantements. Euh, tes enchantements ils vont servir ou à gérer les menaces de ton adversaire ou alors à faire grossir les créatures que tu as déjà mises sur, sur ton terrain. Et pour essayer de magnifier le tout et d'en faire un deck très puissant actuellement dans le, dans le format compétitif, eh ben, la plupart des créatures que tu as sur ton terrain vont te permettre de piocher des cartes quand tu joues tes, tes, tes enchantements. Ça simple, fait plaisir. Efficace. Tout simple. Euh, on va commencer par la pioche. On a Innocence perpétuelle et Traqueuse d'entité. Innocence, c'est une 2 un lien de vie pour 3 euh, qui dit quand une créature qui a deux de force ou moins arrive en jeu, on pioche une carte une seule fois par tour et quand elle meurt, elle revient en enchantement. Donc, ça, généralement, l'adversaire, il va avoir du mal à gérer. Vous allez avoir ça à vie. Euh, traqueuse d'identité c'est une 2-3 flash qui dit quand un enchantement arrive ou quand on dévore une pièce mais on ne joue pas de pièce dans ce deck on pioche une carte et ça c'est pas limité donc vous pouvez le faire plusieurs fois par tour c'est super fort euh, et ça le flash donc fin de tour hop la petite traqueuse d'identité pas d'identité pardon et, euh, et vous faites full value. Euh, pour mettre la pression, on a euh, des auras et pieuses de poubelle. Pièces de poubelle qui va faire que tous nos enchantements mettent un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée. Donc ça buff euh, le fait qu'on joue euh, plein d'enchantements. Et nos enchantements de bagarre, c'est Arthur éthéré qui donne plus un plus un euh, et euh, l'initiative plus un plus un pour chaque enchantement que vous contrôlez. Ce qui va être très vite très élevé. Protégé par les fantômes aussi c'est bagarre gestion parce que c'est plus 1 plus 0 lifelink parade 2 donc ça protège votre bête ça euh, vous donne un lifelink contre les decks aggro du bo1 c'est super fort et ça enlève un permanent non terrain à l'adversaire donc par exemple si vous commencez vous pouvez enlever la linley du deck mono rouge combo et il est deg et il a raison d'être deg vous pouvez aussi enlever sa créature mais linley c'est quand même pas mal. Euh, en termes de euh, board, on a Dresseuse de Gremlin qui va euh, faire un Gremlin 1-1 à chaque fois qu'on joue un enchantement, enfin qu'un enchantement euh, arrive. Euh, Nid et Curieuse, ça réduit les sortes d'enchantement de 1 et les coûts de déverrouillage, mais ça vous l'avez compris, on s'en fout. Et c'est un super body, c'est un 2-3 pour 2. Donc pareil contre les decks agros, ça bloque très bien, c'est cool. En gestion, on a également ossification x2. Euh, on a beaucoup de basiques, donc c'est facile de le caster pour exiler une créature en un planeswalker. Euh, en vol de fée qui va donner défense talismanique en flash et plus 1 plus 0 vol. Et euh, sauvetage du fromage qui va donner défense talismanique et plus 1 plus 1 en flash. Ça coûte moins cher, mais ça donne pas le vol. Donc voilà, on a 8 sorts qui permettent de protéger nos bêtes. Euh, Qu'est-ce que vous avez protégé avec ça ben, La plus grosse bête que vous avez, tout simplement. Euh, c'est un ouais, peu, des, peu peur, de protection. Ou les piocheurs, euh, évidemment. Euh. Mais il y a des fois, par exemple, si on vous cible euh, dresseuse de gremlin et que vous avez euh, d'autres bêtes euh, plus importantes à, à sauver, bah, ne jouez pas euh, vos spells et gardez-les pour protéger plutôt des piocheurs que une dresseuse de gremlin, par exemple. Et si vous avez que ça sur le board, bah, protégez-la, parce que quand vous n'avez plus de bêtes, vous ne pouvez plus jouer ni armure éthérée, ni fromage, ni en vol de fée, ni protéger par les fantômes. Ouais. Donc c'est important de toujours avoir des bêtes et d'essayer de les protéger. Parce que si vous ciblez une bête avec. Euh euh, protégé par les fantômes et qu'en réponse vous la tue, bah, protégé par les fantômes ne fait pas d'effet ça dégage, vous avez perdu votre bête c'est important de garder des spells de protection pour protéger vos futurs Zora ouais. c'est un deck qui est euh, très simple à jouer, très fonctionnel qui trouve très souvent ses pièces de synergie entre guillemets, c'est à dire une bonne créature sur laquelle mettre des, euh, des bonnes auras et euh, globalement si vous débutez à la fois Magic et Magic Arena, honnêtement on vous conseille largement ce deck là plus ouais. que le deck rouge Bien sûr. Euh, ou le deck euh, tempo Ouais, ça je pense qu'en 2-3 games euh, vous allez vite comprendre comment ça marche et vous allez découvrir ouais, certaines plaisir. interactions. Euh, mais c'est un deck pour le coup qui, à part euh, bah, les petits spells de protection qui sont le tricks, on va dire, du deck, il est très simple, il vous demande juste de jouer plein d'enchantements. Ça va vous demande un peu de séquencer parfois pour jouer dans le bon ordre, parce que suivant ouais. l'ordre le dans lequel vous jouez, vous allez piocher, ou alors plutôt mettre des marqueurs, ça dépend. Mais euh, en soi, ça vous allez euh, vous allez savoir avec l'expérience, et si vous faites des petites erreurs de ce type au début, il n'y a pas beaucoup de games, quand vous commencez, qui vont être punis par ce, ces erreurs-là. C'est ouais. quand vous allez commencer en ladder, à monter en ladder. Le, le deck est très bien pensé, et effectivement, c'est le séquençage qui pourrait être un peu complexe, mais une fois que vous avez les patterns, c'est-à-dire, dans notre game, le séquençage récurrent du deck qui revient, vous allez vous y retrouver. Par exemple, au début, tu ne conscientises pas forcément que Dresseuse de Gremlins au tour 2, bah c'est très très bien quand au tour 3 tu veux jouer ton euh, Tanit essence euh, euh, blanche, l'innocence perpétuelle. Parce qu'en fait, quand tu fais tour de Dresseuse, tour 3 Innocence, Innocence arrive en jeu, trigger de la Dresseuse, la Dresseuse crée un token 1-1. Et, euh, et ici, donc, du coup, tu pioches avec tu ton Innocence perpétuelle. Fait. Et en fait, hum. euh, tant que tu fais pas cette séquence-là ou que tu connais pas le pattern, tu pas l'impression que tu vas piocher une carte en jouant l'innocence après avoir joué la Dresseuse. Alors qu'en fait, si, ça fonctionne bien, ça a été pensé Alors qu'en fait, si, ouais. Et il euh, y a d'autres fois où vous avez par exemple les deux en main, et ça peut être intéressant de jouer plutôt Nidessence Curieuse. Comme ça, au tour 3, vous pouvez faire Innocence, et vous avez une aura pour protéger l'innocence ou la Nitescence. Ouais, voilà, ça dépend le des situations C'est par rapport à ce que vous avez en main, qui peut être un tout petit peu complexe. En même temps, c'est pour ça qu'on joue à Magic, pour avoir des puzzles intéressants à résoudre. Exactement. Et l'avantage, c'est que contre Mono Rouge, qui joue très peu d'interactions à part les chocs, eh ben vous avez euh, ça qui va donner le lifeling, justement, qui est très fort, que vous avez peut-être un petit peu cherché au mulligan. Bon, c'est si vous faites du BO3, hein, sinon vous savez pas que vous affrontez Mono Rouge, évidemment. Euh, et justement, se protéger par les fantômes. Comme il joue très peu d'interactions maintenant avec Mono Rouge, joue que Choc, eh ben il y a de grandes chances qu'il puisse jamais gérer votre bête. Et du coup, une fois que vous avez assemblé une bête un peu costaud Lifelink, c'est fini. C'est finito, ouais. euh, il ne peut plus la gérer, ou en tout cas, ça lui coûte trop de cartes et trop de mana. Et du coup, vous êtes bien. quoi, Alors qu'avant, bah, les decks mono rouge jouaient plus d'interaction. Du coup, garder des bêtes avec des auras, c'était compliqué. Voilà pour la présentation de ces 3 DL. Encore une fois, les deux U-White euh, arrivent très prochainement, euh, ou s'ils sont déjà sortis, suivant quand vous regardez cette vidéo. Et petit message pour ceux qui sont encore là euh, si. Euh, l'extension Fondation n'est pas encore sortie. Cette vidéo est à jour. Si l'extension Fondation vient de sortir euh, pendant les 2-3 premières semaines, vous pouvez encore crafter ça. Mais notre vidéo ne va pas tarder. Et si Fondation ou d'autres extensions sont sorties entre temps, eh ben notre, vidéo, euh, notre nouvelle vidéo budget qu'on fait à chaque extension devrait arriver ou est déjà arrivée. Donc je vous recommande d'aller checker ça. Mais peut-être que vous n'avez pas regardé jusque-là, vous avez crafté et vous n'avez pas vu qu'il y a d'autres vidéos plus récentes. C'est pas grave. De toute façon, le standard bouge très Ça peu en ce qui de concerne les decks budget. Très très bon deck. Voilà, ne vous Exactement. inquiétez pas, vous craftez que des bonnes choses et qui sont upgradables en version compétitive mmh. BO3. Exact. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch valpe Magic FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.